et clic, l'histoire sort de son sac. L'histoire que je vais vous conter se passe en Afrique. Cette histoire n'est pas n'importe laquelle, puisque c'est l'histoire de... Mais non, on s'est trompé d'histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Rookie la hyène. Mais avant de commencer, il y a une chose importante à savoir sur les hyènes. Une hyène a toujours faim. Un jour, comme un autre, Rookie la hyène se baladait à travers la savane à la recherche de nourriture. Elle marcha longtemps à la recherche de carcasses à grignoter. Mais ce jour-là, elle ne trouva rien. Elle continua de marcher peut-être un jour, deux jours, même trois jours. Elle marcha tellement longtemps qu'elle se trouva dans un endroit où elle n'avait encore jamais mis les pattes. C'était une petite clairière, et au milieu de cette petite clairière se trouvait un arbre géant. Rookie, intriguée, s'approcha de celui-là, et tout en avançant, elle aperçut sur l'arbre comme deux yeux, comme une espèce de nez, comme une bouche, et elle dit « Oh, un arbre vivant !» Et soudain, Rookie se réveilla quelques minutes plus tard dans les airs et se rendit compte que l'arbre la tenait dans une branche et elle entendit une grosse voix. « Bonjour Rookie, tu es le seul animal de la savane à avoir découvert mon secret. Je suis le seul arbre qui parle de toute la savane. C'est pour cela que j'ai décidé de te laisser la vie sauve. Mais attention, sache que le prochain animal qui s'approchera de moi et dire « Oh, un arbre qui parle !» je le tuerai d'un coup de branche. » À ces mots-là, l'arbre libéra Rookie, qui s'enfuit rapidement, content d'avoir la vie sauve. Mais Rookie avait toujours faim, et en chemin, elle croisa une girafe, et il lui vient une idée. « Bonjour, madame la girafe. Vous qui êtes si belle, si grande, vous saviez qu'il y avait un arbre qui parle ?»« Salut, Rookie. Je suis la plus grande de toute la savane, et s'il y avait un arbre qui parle, je le saurais. » »« Si, si, je t'assure, si tu ne me crois pas, tu as qu'à me suivre. » Et la girafe accepta et suivit Rookie jusqu'à la petite clairière. Tu vois l'arbre, tu t'approches et tu dis « Oh, un arbre qui parle !» La girafe, intriguée, accepta et s'approcha de l'arbre et dit « Oh, un arbre qui parle !» Et d'un coup de branche, l'arbre tua la girafe. Rookie se précipita pour manger la girafe. Mais au bout de quelques heures, il ne resta à côté de l'arbre plus qu'un petit ado. Et Rookie repartit de la savane. Et elle croisa un chemin le lion. Bonjour, Majesté. Vous qui êtes si fort, vous êtes le roi des animaux. Vous saviez qu'il y a un arbre qui parle ? Ne dis pas de bêtises. Je suis le roi des animaux. Et s'il y avait un arbre qui parle, je le saurais. Si, si, je t'assure. Si tu ne me crois pas, tu as qu'à me suivre. Et le lion accepta de suivre l'hyène jusqu'à la petite clairière. Tu vois l'arbre. Tu t'approches et tu dis « Oh, un arbre qui parle !» Le lion intrigué accepta et s'approcha de l'arbre. Allô ? Oui, allô, gamin, c'est Spielberg. Bonjour Spielberg. Je suis désolé de t'annoncer ça, mais on pense qu'avec la production, qu'une voix de fille serait beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oh non. Je suis désolé, gamin, mais t'es viré. Voilà. Oh non, va-t'en. S'il vous plaît.
Elle arrive ce matin. Tu peux t'en aller. Ah, ok. Le lion, intrigué, accepta et s'approcha de l'arbre et dit. Oh, un arbre qui parle. Et d'un coup de branche, l'arbre tua le lion. Rookie se précipita alors pour manger le lion. Mais au bout de quelques heures, il ne resta à côté de l'arbre plus qu'un tas d'os et Rookie repartit dans la savane. Et elle croisa en chemin l'éléphant. Bonjour, éléphant. Vous qui êtes si vieux, vous qui êtes si sage, vous saviez qu'il y a un arbre qui parle ? Salut, Rookie. Je suis le plus vieux des animaux et s'il y avait un arbre qui parle, je le saurais. Si, si, je t'assure, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à me suivre. Et l'éléphant accepta de suivre la hyène jusqu'à la petite clairière. Tu vois l'arbre. Tu t'approches et tu dis « Oh, un arbre qui parle !» L'éléphant intrigué accepta et s'approcha de l'arbre et dit « Oh, un arbre qui parle !» Et d'un coup de branche, l'arbre tua l'éléphant. Rookie se précipita alors pour manger l'éléphant. Ah bah ouais, un éléphant, c'est gros. Mais au bout de quelques heures, quelques jours même, il ne resta à côté de l'arbre plus qu'un gros tas d'os. Et Rookie repartit dans la savane à la recherche d'un nouvel animal. Mais elle ne croisa en chemin que le qui le lièvre. Elle se dit dans la tête, il n'est pas très gros mais j'ai faim. Alors elle s'approcha et lui dit. Salut le qui, toi qui es si petit et tout rikiki. Tu savais qu'il y avait un arbre qui parle ? Non, je savais pas. Tu peux me le montrer ? J'aimerais bien le voir. Rookie se dit dans la tête, il est encore plus bête que les autres. Et Rookie amena le lièvre jusqu'à la petite clairière. Tu vois l'arbre le qui ? Eh bien, tu t'approches et tu dis « Oh, un arbre qui parle !» Ah ok, j'ai compris, c'est simple. Et le lièvre s'approcha de l'arbre et dit « Oh, un arbre qui rigole !» Mais non, tu es trop bête. Reviens, tu t'approches et tu dis « Oh, un arbre qui parle !» Ah ok, c'est bon, j'avais pas compris. Oh, un arbre qui crie ! Mais non. Reviens, tu t'approches et tu dis exactement « Oh, un arbre qui parle !» Ah ça va, énerve-toi pas, je me suis trompé. Oh, un arbre qui rigole ! Et la hyène, fou de rage, arriva en courant et poussa le lièvre et dit « Mais ce n'est pas compliqué, il faut faire comme ça. Oh, un arbre qui parle !» Et là, bim, d'un coup de branche, l'arbre tua la hyène. Hey, isn't we supposed to be having a fiesta? Uno, dos, cuatro, hit it! Put some donkey, y'all. She's in superstitions. Cats and voodoo dolls. Take it, push! I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go! She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go down.